Bonjour les geeks et bonjour les geekettes. Je suis désolé, c'est vrai que lundi j'étais un petit peu en colère, un petit peu énervé et j'avais quitté le plateau en disant que j'allais sortir pour exterminer la vermine. C'est vrai, je suis désolé, j'avais joué à des jeux vidéo violents, ça avait un petit peu modifié et altéré mon comportement. J'ai heureusement été repris en main par les forces de l'ordre et ils m'ont autorisé à garder ma jolie coiffure, mais c'est vrai qu'en contrepartie, je dois annoncer les 101% avec de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Alors, aujourd'hui, nous aurons la critique flash de Superstar V8 Challenge Next, ou Next Challenge. Le autoplay Samplay, youpi, la minute du geek, le Tokyo Café, et puis les news de l'amour, pour commencer. Le duo gothique Kokushoku Sumire est de retour en France pour une petite tournée. Yuka et Sachi pousseront la chansonnette le 21 avril au Java à Paris. Elle mélange particulièrement bien les sonorités du violon, du piano et de l'accordéon, sans parler de leur univers sombre et mystérieux, particulièrement séduisant. Pour en voir le résultat, vous pouvez noter les trois dates suivantes. Elles seront à Agen le 24 avril, à Aix-en-Provence le 26 et enfin à Marseille le 27. En attendant la sortie de Super Street Fighter 4, les amateurs de jeux de baston en 2D ont pu patienter avec un titre de tout premier plan, BlazBlue. Salué par l'ensemble de la presse et par le public de niche concerné, le bébé Dark System Works est une incontestable réussite, en particulier d'un point de vue visuel. Fort de ce succès critique et d'estime, Trade West annonce fièrement la sortie prochaine des versions PC et PSP en Europe. Sur PC, BlazBlue propose exactement le même contenu que sur console et permet notamment aux joueurs de s'affronter en ligne. Quant à la version PSP, elle contient deux modes de jeu exclusifs. Le premier, nommé Shop, donne accès à des illustrations lorsqu'on les a débloquées. Le second, Légion, est un jeu de stratégie dans lequel l'objectif est de bâtir une armée pour conquérir les territoires adverses. BlazBlue sur PC et PSP sont prévus pour le mois de juin prochain. Disponible depuis quelques jours sur le live et le PSN, Final Fight Double Impact est une compilation qui regroupe deux jeux mythiques, à savoir Final Fight bien sûr et Magic Sword. Les deux titres bénéficieront bien sûr de quelques ajouts indispensables à leur comeback au 21e siècle. Tout d'abord, il sera possible de jouer en coop online. Pour un titre aussi fun en multi que Final Fight, c'est évidemment un plus non négligeable. Ensuite, plusieurs types d'affichages sont sélectionnables. Une version lissée des deux jeux est disponible en accord avec les standards HD actuels. Une version avec graphisme d'époque est également présente, tout comme un mode permettant d'afficher le jeu sur une borne d'arcade. Vous pourrez également opter pour des bandes son remixées ou non, selon vos goûts. Pour finir cette news, on vous laisse avec cette petite vidéo bien marrante sur le thème « Mike Hagar est un type fort sympathique et particulièrement subtil ». Mike Hagar, before I vote for you, I'm very interested to know your views on animal rights. Mike Hagar, the candidate who puts people first. Paid for by the Mike Hagar for Mayor Committee. Dans le cadre de ma liberté conditionnelle, je réitère encore une fois toutes mes excuses à tous les geeks et à toutes les geekettes, ainsi qu'à la direction de la chaîne. Et pour m'amender, je vais commencer à réparer tout le mal que j'ai fait, à commencer par le cadre. Voilà, ça déjà c'est mieux, ça me permet d'être dans les meilleures conditions pour vous annoncer la critique flash de Superstar V8 Next Challenge avec plein d'amour. Dix mois seulement se sont écoulés depuis la sortie de Superstars V8 Racing et voilà que Milestone remet ça. Le deuxième épisode de cette franchise exploitant le championnat italien Superstar Championship est déjà disponible. Petit rappel, cette compétition est exclusivement connue des fous furieux de course automobile, à l'inverse de la F1 ou encore du championnat WRC.
En gros, c'est un peu comme si un jeu de foot sortait avec pour unique licence le championnat finlandais. Ok, bon, cet exemple est un peu exagéré, mais le résultat est à peu près le même. La franchise n'a à la base que peu de chances de trouver son public chez nous. D'autant qu'une nouvelle fois, le jeu propose un contenu très light. Des défis sous forme de permis et des courses en mode championnat ou libre. Et comme la compétition Superstars ne compte que 10 épreuves, pour autant de circuits, on a vite fait d'avoir tout vu, tout parcouru dans ce Superstars V8 Next Challenge. Heureusement que Monza, Portimao ou Imola sont au programme de la compète. De même pour les pilotes. On retrouve avec plaisir quelques têtes connues comme Gianni Morbidelli ou Pierluigi Martini, tous deux anciens conducteurs de F1. Étant donné que le contenu n'est pas au rendez-vous, le gameplay se devait d'être béton pour que le jeu sorte de la masse. Mais encore une fois, le jeu pêche par un manque d'ambition et certainement aussi de moyens. Les sensations de pilotage sont fades, très fades. La vitesse des BMW, Chevrolet et autres Audi de course est très mal rendue, que ce soit une vue du dessus peu stimulante ou des vues subjectives et cockpit carrément indécentes. Le problème de ce V8 Next Challenge est de toute façon plus global. Il s'agit tout simplement du positionnement du jeu. Pas assez technique pour être catalogué comme simulation, loin d'être suffisamment fun pour entrer dans la catégorie des jeux d'arcade, le titre souffre d'un réel problème d'identité. Comme d'habitude pour ce type de jeu, il existe en effet deux types de conduite possibles, avec ou sans les aides au pilotage. Celles-ci, au nombre de 4, sont toutefois très limitées. En les enlevant, vous constaterez une petite différence lors des freinages et des réaccélérations, mais le changement est minime. Tant et si bien que le jeu reste accessible, même en mode simu. Et ce ne sont pas les quelques déformations de la route qui suffisent à rendre la tâche plus difficile pour le joueur. En fait, la principale difficulté à gérer lors des courses tient de l'IA des adversaires absolument cataclysmique. Mieux vaut ne jamais tenter de dépasser en finesse, mais choisir la manière brutale, car ces derniers ont tendance à systématiquement vous rentrer dedans pour contrer vos tentatives. Contenu léger, gameplay approximatif, il ne restait guère que la partie esthétique pour rattraper le tout. Problème, c'est le point faible des titres estampillés Milestone. Une nouvelle fois, les environnements sont ternes, l'aliasing trop présent, les sensations de vitesse absentes. Retenez simplement que la modélisation des circuits et des voitures est fidèle. Superstars V8 Next Challenge n'a malheureusement pas grand-chose pour lui, si ce n'est son prix, 50€. Mais même à un tarif réduit, on aura du mal à passer outre son austérité. Une licence peu accrocheuse, un aspect visuel insipide, un gameplay inconsistant, trois défauts majeurs qui ne pardonnent pas. Après la sortie de Forza 3 et à quelques semaines, mois ou années de celle de Gran Turismo 5, le titre de Milestone fait pâle figure, à tel point qu'il risque d'apparaître comme transparent aux yeux du public. Après cette magnifique critique pleine d'amour, je continue mon chemin de croix et de contrition. Je présente mes excuses, toutes mes plus humbles excuses à Anne pour lui avoir volé ses collants sans lesquels elle ne pouvait plus présenter Autoplay Simplay. Maintenant qu'elle les a récupérées, elle peut faire son travail. Pardon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va parler des sorties CD, des téléchargements et des titres qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. Et on commence tout de suite les sorties CD avec la bande originale de Monster Hunter Try, donc bande originale qui est déjà sortie un petit moment au Japon, mais on va en parler aujourd'hui parce que le jeu sort en France maintenant. Donc en France, c'est pas un jeu qui a énormément marché, certes il y a une communauté de fans, mais au Japon c'était vraiment un truc énorme de toute la série, c'est vendu vraiment à des millions d'exemplaires. Et cet épisode sur Wii était très attendu parce que déjà c'était le premier épisode sur console Nintendo et puis ça proposait plein de nouveautés comme pouvoir se battre sous l'eau, etc. Capcom a vraiment investi beaucoup sur le projet, ne serait-ce que dans le développement, mais aussi sur la bande originale puisqu'elle est entièrement jouée par un orchestre symphonique. Et ça c'est assez rare pour être souligné. Donc c'est joué par le Philharmonic Orchestra de Prague, celui qui a joué la bande originale de Halo Wars par exemple. Et tout ça, donc, c'était sous la houlette du chef d'orchestre qui s'appelle Hamaguchi Shiro. Et par exemple, c'est lui qui avait chapeauté aussi l'orchestration du thème de Sephiroth dans FF7. Et donc, pour ce qui est de la bande originale de Monster Hunter 3, alors, c'est un jeu où on joue un chasseur dans des grandes étendues, on tue des dragons, des bestioles, etc. Et donc, forcément, ça va être un truc qui est super épique, donc, c'est très classique. Mais aussi, ils ont mis plein de choses qui sonnent un peu plus ethniques, comme on aime dire maintenant, enfin, on va dire tribales, avec des instruments
qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre dans du jeu vidéo par exemple. Et c'est souvent utilisé par exemple dans les villages, les choses comme ça, parce que Monster Hunter, ils ont vraiment créé tout un univers avec des peuples, des choses comme ça, et c'est très cohérent. Et vraiment, c'est très agréable à écouter. On continue avec Kingdom Hearts Piano Collection Battle and Field. Donc comme son nom l'indique, ce sont des musiques de Kingdom Hearts reprises au piano, et ce sont celles tirées des batailles et des niveaux. Peut-être vous le savez déjà, donc les musiques de Kingdom Hearts ont été composées par Shimomura Yoko. D'ailleurs, le tout premier autoplay lui consacre une biographie, vous pouvez peut-être y jeter un coup d'œil sur No Life Online. En tout cas, ici, c'est interprété par différents pianistes, et il y a un truc qui est très bien, c'est que cette bande originale est disponible officiellement en France. Donc certes, c'est l'édition japonaise, mais elle est officiellement dans le circuit commercial en France. Bon, on écoute ça tout de suite. On continue avec les téléchargements. Alors aujourd'hui, ce ne seront pas des téléchargements gratuits, mais des téléchargements payants, mais c'est pas très très cher, ça vaut le coup quand même. Donc d'abord, ça sera Machinarium. Je pense que vous avez peut-être vu la critique sur No Life. Donc c'est un point and click d'un studio indépendant tchèque, tout en noir et blanc, qui met en scène des robots, etc. C'est assez mélancolique. Et les musiques ont été composées par Thomas Dvorak, qui s'est aussi occupé du sound design, etc. Et ça colle parfaitement au jeu, qui est c'est vraiment une ambiance assez particulière. Donc il y a à la fois des mélodies très jazzy, etc. Et d'un autre côté, comme les héros sont des robots, il y a des pistes avec des sons un petit peu plus électroniques, mais quand même il y a une cohérence dans tout ça, et c'est vraiment très particulier et différent de ce qu'on peut voir habituellement, et c'est justement ce qui plaît souvent dans les productions indépendantes. Une autre bande originale à télécharger, alors cette fois-ci ce sera pas sur PC, c'est un petit peu spécial, c'est sur le PSN qu'on peut la télécharger, c'est la bande originale du jeu Flower. Donc c'est un jeu où on incarne le vent qui pousse un pétale de fleurs, etc. Je sais pas si vous avez joué, moi c'est franchement un des jeux qui m'a le plus marqué ces dernières années, j'étais choquée quand j'y ai joué. En tout cas, la musique et le son justement jouent un rôle impressionnant dans ce jeu. Je pense que ça joue sur à peu près 80% de l'immersion qu'on a en jouant à ce jeu. C'est pour ça qu'il faut absolument y jouer dans le noir de préférence, sur une grande télé si on peut, mais avec le son à fond ou avec un casque et pas être dérangé par les autres. Parce que ce travail sur le son est tout bonnement hallucinant, parce qu'on part et chaque pétale de fleurs qu'on attrape rajoute une note, et on monte comme ça dans la gamme, puis au fur et à mesure qu'on glisse, ça rajoute des instruments, etc. Et c'est un peu comme si des fois les instruments combattaient un petit peu ensemble, parce que justement il y a les différents courants du vent qui arrivent, et puis quand on passe dans les canyons, etc., c'est assez particulier. Et au final, quand on finit le niveau, on s'en sort et c'est comme un grand morceau qui se joue tout seul, et c'est vraiment un jeu musical, dans le sens où on crée la musique en jouant, et c'est vraiment à essayer. L'émission, on va présenter les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, et tout de suite ça va être Sakura Taisen, donc l'épisode sur Wii qui vient de sortir, qui était un remake de la version PlayStation 2, mais en tout cas voilà, c'est le premier épisode de Sakura Taisen qui sort en France, c'est un peu l'événement, et c'est bien, l'intro aussi est très bien, puisque comme d'habitude dans Sakura Taisen c'est en animation, avec les jolis designs de Fujishima, et on adore ça. La seconde intro, ce sera celle de Monster Hunter Tri, dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est tout joli, plein,
plein d'images de synthèse et de dragons dans l'air, dans les airs, sur terre et sous l'eau. Il y a pas un générique qui commence comme ça d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines et je vous dis à bientôt. Dans le cadre de ma probation, on m'a demandé aussi de faire des calembours, des blagues un petit peu rigolotes. Alors, est-ce que vous savez le rapport qu'il y a entre Yves Montand et le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui ? Non. Eh bien, c'est la bicyclette. Puisque Yves Montand, il a chanté « Eh, bicyclette !» et que Julien Pirou, il va parler de Willow. Willow. Le Willow. Julien Pirou, il va faire du Willow. J'espère que je vais pas retourner en prison. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Willow fait partie de ces films qui ont bercé l'enfance de nombreux geeks. Quand on y regarde bien, le milieu des années 80 a été une période riche en films de fantasy chers à notre cœur. Conan le Barbare, L'Histoire sans fin, Dark Crystal, The Princess Bride, et même quelques sympathiques nanars du genre d'Arles Invincible. Et donc Willow, qui à coup sûr est dans le haut du panier, bien que descendu par la critique au moment de sa sortie. Willow est un projet que George Lucas, producteur et scénariste du film, cherchait à faire depuis longtemps. On se rend vite compte que déjà à l'époque de la Guerre des Étoiles, certains éléments d'histoire lorgnaient du côté de la fantasy, et plus particulièrement du côté du Seigneur des Anneaux. Après avoir travaillé avec Warwick Davis sur Le Retour du Jedi, où Davis incarnait l'Ewok Wicket, Lucas eut l'idée d'en faire la star d'un prochain film. Si on en croit la rumeur, Lucas aurait cherché à acquérir les droits cinématographiques de Bilbo le Hobbit sans succès, et aurait donc fini par écrire sa propre histoire, mettant en scène un peuple de petits bonshommes insouciants se retrouvant catapultés dans une quête épique opposant le bien et le mal. Soit dit en passant, remplacer le bébé de Willow par l'anneau unique et les similitudes scénaristiques deviennent difficiles à rater. Même si Willow n'a pas bien marché à sa sortie, il a acquis un statut de film culte avec le temps, et George Lucas lui a donc donné une suite en roman. Des romans écrits par Chris Claremont, scénariste légendaire des X-Men, et intitulés Les Chroniques de la Guerre des Ombres. Les romans se déroulent 15 ans après les événements du film, et les 3 volumes se nomment Shadow Moon, Shadow Dawn et Shadow Star. Ils sont en général considérés comme très mauvais par les fans, mais ceci est une autre histoire. En 2007 et 2008, Lucas et Davis ont tous deux laissé entendre qu'avec le succès du Seigneur des Anneaux, ils ne seraient pas contre donner une suite audiovisuelle à Willow, sous forme d'une série télé ou d'un nouveau film. Pour l'instant, rien de concret n'a encore vu le jour, donc tout ce qu'on peut dire c'est « Willow, concentre-toi Willow !» C'est vraiment la mort dans l'âme que je regrette tous mes errements passés. J'aurais jamais dû vous faire subir toutes les choses horribles que je vous ai fait subir, notamment à la pauvre Mademoiselle Suzuka, dont j'avais fait un lancement. Enfin, j'avais pas lancé le Tokyo Café, je l'avais lancé par la fenêtre. Mais maintenant, je crois qu'elle est réparée et qu'on va pouvoir se régaler d'un bon Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde! C'est Suzuka de Tokyo Café が Tokyo Café Toulouse お花見エディションに来ています。ということで第2週目始まりました。このお花見エディションなんですけれども、一体これから先週に続いてどんなものを私が見せるのか皆さん、要チェック。東京カフェ。東京カフェっていうのは日本の漫画喫茶をモチーフにしてこうトゥールーズにね開いた漫画喫茶なんですけれども私のねエミッションとね同じ名前で東京カフェということでまずまず簡単に言いますとこう漫画をねこうやって読めますこれすごくねおっぱいパッドおっぱいパッドこれこんなフランスで初めて見たよこれ日本では見たことあるけれどもねフィギュリンもいっぱいあるから
あ、刀売ってるよ。刀と一緒にこんなねスイートのお菓子ムニムニしてる。これさ、すごい置いといたら間違えてかじっちゃいそうですね。天ぷらだって。天ぷら売ってるの。天ぷら食べたい。て天ぷらないじゃん。これちょっと見て、縦シューティング、縦スクロールだから、こうテレビをこうガタンってして作ってやってる、遊んでる。普通のコスプレだけではなく、なんとゾンビさんたちも、ゾンビ団体、ボンジュー、ブザレビアン、très bien、tu vas bien、こんにちは、tu es vivant、je oui non non、il y a combien de zombies、10, ouais, une dizaine, ouais. C'est pour un court métrage en fait. C'est quoi le concept ? Un projet d'école. Oui. Et l'histoire ? L'histoire, c'est comment ? C'est une invasion de zombies. C'est un groupe d'amis qui va passer une soirée pas si bonne que ça finalement. C'est cool, né ? C'est cool, né ? Alors pour mariage, qu'est-ce que c'est plus difficile ? Les zombies. Ce qui est le plus difficile, hein ? Oui. Le latex. Salut Marcus. Bonjour Suzuka. Ça va bien? Tu fais quoi? Et c'est quoi ici? On a fait des t-shirts Marcus, comme tu peux voir. À la gloire de l'agro-doitude. Donc maintenant vous savez ce que c'est, vous connaissez les bullet time. Donc on a des t-shirts avec des bullet time. On a des t-shirts avec le fameux post-it de chez Marcus. L'agro-doitude power. Des slogans comme le ridicule ne tue pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc le ridicule nous rend plus fort. Voilà. Et donc il y a plein de gens qui viennent ici, qui les achètent et qui sont très contents de les porter. Tu peux me la péter deux minutes ? Oui. Regarde. J'ai des Marcus Girls sur mon stand. Marcus Girls là ! C'est moi, Suzuka Boys, là, donc. Non, juste à 11h, il y a un blind test sur scène avec Coucou Circus. Est-ce que vous voulez y aller ? Avec David ? Oui ? Oui. Avec plaisir ! こうやってなんかプログラムもじゃんじゃん決まって楽しいです。レッツゴー。何すんの。いや私でもあれだよ、本当は歌うまいんだよ。でもこんな声で歌ったら鶏がこう染み殺されるみたいになっちゃうよ。 Le principe c'est qu'on va vous balancer des vous allez faire écouter des vieux génériques de dessins animés, de vieux dessins animés d'abord en japonais。 強いと思うんだけど、フランス語のタイトル言えない。例えばさ、メゾン一国だったらさ、ジュリエット・ジュテンプだけでしょ。すごいですね。キャプテンフラムの音楽に乗ってフランス人たちが叫び手を伸ばし、うわ危ない危ない危ない危ない危ない危ない。さあということで TGS 楽しんでいただけましたでしょうか。ローライフも続々続けていくので皆さんよろしくね。フーブネックスカンパブレーね。Mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, c'est malheureusement déjà l'heure de nous quitter. Alors je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, puisque nous sommes en week-end. Et puis je... Oui, c'est vrai, il y a aussi la lumière que j'ai un peu abîmée. Mais vous inquiétez pas, je rembourse. Tiens, prends ça. Ah, vous m'aurez jamais vivant.